My name is Tadashi Kawamata, Japanese artist, living in Paris now, and I teaching for the Great Beaux-Arts Paris. And this time I got permission for the Place Vendôme to make a temporary structure. The idea is just, you know, such a nice place to the big column. I really want to make a small, you know, a little bit disturbing. And also the kind of like a nest, you know, to hanging on the column because it's quite high, 40 meter, 45 meter height. So it will be nice to the big bird is coming to fly, you know. And also the surrounding the building, I set up the four small cabin. So it's kind of like a little bit like a parasite idea. Tadashi Kawamata a une chance en fait exceptionnelle puisque c'est le premier artiste à qui on donne l'autorisation d'intervenir sur la colonne Vendôme. C'est à l'initiative de la FIAC qui fête cette année ses 50 ans et qui a voulu du coup marquer le coup et intervenir dans le cadre des Hors les Murs sur la place Vendôme. Ils ont pensé à Tadashi, du coup Tadashi Kawamata a présenté ce projet de tree hut, donc des cabanes. Les difficultés majeures qu'on rencontre sur ce genre de projet, c'est bon, d'abord d'avoir toutes les autorisations et surtout les accords des propriétaires, par exemple des immeubles sur lesquels on intervient. Il y a tout un système qui est réfléchi par l'artiste pour venir se mettre en fait donc de façon temporaire et avec beaucoup de protection sur la pierre sans toucher les couvertures en ardoise qui sont extrêmement fragiles. Et chaque tasseau de bois qui est en contact avec les façades est protégé par une mousse en caoutchouc. La difficulté, c'est le public qui est en dessous, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. Si on fait tomber une vis, ça peut tuer quelqu'un. Parce que là, c'est 25 mètres les plus bas, c'est celle qui était là à 40 mètres, ça fait vraiment haut. Et il a un enseignement assez différent des autres professeurs. Il ne va pas vraiment chercher à regarder ton travail tout le temps, c'est plutôt toi qui dois aller vers lui. Je m'appelle Léo Allègre, je viens de terminer les Beaux-Arts. J'ai passé 4 ans dans l'atelier Tadashi Kawamata et là aujourd'hui je travaille pour lui. Il nous a souvent conseillé de travailler à l'extérieur et de faire des rencontres à l'extérieur et pas de rester trop aux Beaux-Arts. De travailler sur les projets et en même temps de rencontrer les gens avec qui il travaille, quelle relation il a avec le monde de l'art, quoi. Et du coup, ça fait on sait exactement ce que c'est qu'un artiste contemporain reconnu. They used to be work a lot with me for the Labyrinth, for the Swiss or Germany or many places. So they know how to make it. So I order to them to the working. Such a high place, or you know, a little bit danger, but they are really good work. You know. C'est original quand même, c'est curieux. Qui aurait eu l'idée de faire une chose pareille? Hein, on a bien fait tous des petites cabanes en bois, mais au sommet de la colonne Vendôme, j'aurais pas eu l'idée. Hein. Vous habitez dans le quartier? Oui, je suis du quartier. Et c'est la première fois que vous voyez une installation artistique ici ou... Ah non, c'est pas la première fois, j'en vois assez souvent. Il y a eu Botero, il y a eu bien d'autres. L'autre fois, il y en avait je sais pas qui. Non, mais ça me plaît de les voir. C'est original, c'est curieux, bien sûr. Je suis pas artiste, alors je peux pas... J'aurais pas eu cette idée, bien sûr, mais hein, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir, peut-être que... So structure is only 1 month, you know, stay. And then after, take out everything.